Bonsoir pour tous les amis téléspectateurs. Nous yons bienvenue dans l'édition spéciale Action Bref. Ça. Grosjean a parlé en tout secteur dans la nation avancée. Président de la République, Jovenel Moïse, a installé comité pilotage et secrétariat technique pour organiser l'État général sectoriel nation mercredi 28 mars 2018. Là. Comité pilotage là avec secrétariat technique là qui a 6 mois pour produire et puis remettre un pacte pour stabilité et progrès socio-économique. Comité pilotage ça a la donne une vingtaine de membres qui sortent dans différents secteurs dans la société. A. Secrétariat technique là, bon côté parle, a une dizaine de membres qui pourra renforcer le travail comité pilotage là. C'est un groupe personnalité connu dans le domaine. Le comité ça pourra assurer bon déroulement état général sectoriel nation. A. Planifier une série dates importantes et puis valider une série de choix stratégiques à travers différentes propositions qu'a fait yo. C'est un travail difficile, mais qui pas impossible. C'est le respect. C'est dans la mesure où la personne se sent respectée qu'elle peut donner sa confiance. Donc nous avons un immense travail à réaliser. Remettre la confiance au cœur de ce pays. Que nous puissions nous regarder, nous, haïtiens, haïtiennes, avec un regard de tendresse et d'amour. Nous sommes tous de la même famille, qui que nous soyons. Mais nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, cette unité fondamentale pour pouvoir construire et faire sortir ce pays dans ce trou où il se trouve, parce que nous tous, nous sommes coupables. Dans l'occasion de célébration première année dans notre pays, à 7 février qui s'est passé là, président Jovenel Moïse a déclaré année 2018 là, année pour commencer à exécuter tout projet clé administration l'an initié, et spécialement projet Chita Palé à la ronde Badessa dans la nation. Pour pays à remembrer à tout niveau. Pour chef l'État, c'est une grosse action qui a posé dans le pays pendant le mandat là. Une action d'après lui qui concerne tout le monde. Mesdames et messieurs, la finalité du nouveau pacte est de créer les conditions pour rendre possible des changements majeurs dans divers domaines couvrant les 4 grands secteurs d'activité politique, économique, sociale et culturelle. Les principaux domaines identifiés et qui feront chacun l'objet d'un atelier sont les suivants. La gouvernance politique, la gouvernance locale, la gouvernance économique, la gouvernance environnementale et aménagement du territoire, la gouvernance de l'espace public et médiatique, la gouvernance du système éducatif, la gouvernance du système de santé, l'identité culturelle et l'intégration sociale, l'ordre et la sécurité publique, la place d'Haïti sur la scène internationale. Nous en face à une grosse responsabilité. Nation à garder. Je dis à nous prendre une grosse décision. Une décision côté pays à cet en cours. Je dis, mercredi ça, tout le monde fait pour nous garder problème de ensemble. Ça va vous dire. Pays a pas gagné l'élection pour le faire là-dedans. Oui, il faut gagner l'élection pour renouveler le monde qui est sous pouvoir dans le pays d'une manière démocratique. Oui, il faut que la justice travaille. Mais je dis à mon gros problème. Vivre ensemble. Mon gros problème pour nous dire qui ça nous d'accord sur lui ensemble, qui ça nous pas d'accord ensemble. Cloche la sonne pour que la voix de cette minorité bruyante cesse de s'imposer sur la majorité. Un état général sectoriel national, c'est une étape importante dans l'établissement d'un pays démocratique. C'est ça qui permet tout le monde, toute classe sociale et politique, chita réfléchir sur la situation socio-économique, politique et environnementale pays pour aboutir à une seule solution côté tout le monde d'accord. Résultat chita palais général ça doit gagner retombée positive sur pays pour plusieurs générations qui viennent.
L'autre dossier, dans l'occasion anniversaire Constitution 1987, la président République la Jovenel Moïse souligné maman loi pays c'est un instrument vivre ensemble. Chef l'État a précisé tout le monde doit respecter Constitution pendant le faire remarquer tout amendement Constitution doit joindre un consensus national. Toujours même dossier ça, application, amendement, révision ou réforme de la Constitution. Quelle priorité, ces principaux thèmes qui débattent dans une conférence Université Mont Everest réalisée dans l'occasion 31e anniversaire Maman Loi Pays jeudi 29 mars 2018 là. Est-ce que faut amender, est-ce que faut changer constitution, est-ce que faut appliquer? Donc il y a trois grandes dynamiques. Donc chaque professeur a ba opinion par eux. Donc dans la mesure où nous admettons que constitution certainement il y a des erreurs, donc des professeurs aussi ont identifié les erreurs, ce qu'il faut corriger. Mais pendant qu'on a dit qu'il faut corriger les choses, la Constitution n'est pas totalement mauvaise. Elle, au contraire, c'est une bonne Constitution. Donc, il y a de très bons balades pour garder. Donc oui, il y a lieu d'amender, mais il y a des bagages aussi pour Kembe. La Constitution a mérité quelques petits changements. Parce que d'ailleurs, c'est évident, la Constitution n'est pas parfaite. Œuvre humaine, par contre, parfaite. Donc, certainement, il y a des choses à changer. Moi-même, personnellement, qui ça me dit, oui, que la Constitution a des bagages pour changer. Et d'ailleurs, dans le panel, là, plusieurs intervenants ont identifié des problèmes. Donc, certainement, il y a pour changer. Nous pensons qu'il y a une réforme. Même parce que nous pas obligés nécessairement à aller adopter l'autre constitution. Parce que toute grande réforme qui a fait, nous avons fait par le biais d'un amendement. L'autre nouvelle, première dame république, là, Martine Moïse, en tête collée à Fondation Clairé Haïti, lancé mercredi 28 mars, là, un concours pour artistes différentes catégories en Haïti. Activité ça, t'as dû clôturer dans le mois de juin qui a venu là. Si artistes dans 10 départements pays qui a participé dans le concours ça, concours a visé encourager artistes différentes catégories et puis bayo visibilité sous plan national et international. Papier mâché, céramique, fait découper, peinture et travail wash, c'est ensemble catégorie. Jury a bien pour évaluer et puis sorti avec 5 gagnants d'après organisateur. Dans 5 disciplines ça a bien 3 finalistes qui fait 15 personnes plus 5 gagnants. Mais 5 gagnants, madame Naliban mandat est avec l'organisation Les Arts Libres pour me responsable, moi c'est commissaire et concours là. Il y a toute responsabilité concours là et gagnant yo, c'est moi pour chercher formateur et pour accompagner à l'étranger. C'est pas juste à l'étranger, le problème qui gagne c'est que c'est pas que nous pas gain talent, mais le plus souvent les haïtiens là non concours à l'étranger, ils ont pris, là ils rentrent le vinyle pas garder contact, même ils rentrent pas même connaître l'Italie. Et c'est ça que les Alibes missionnent, c'est pour le faire, j'ai dit éclairer, pour éclairer la canou pour éclairer et pour éclairer l'autre bord. Première dame République là, Martine Moïse, quoi de marche ça fait pour valoriser talent artiste haïtien. Travail pour porter changement dans la vie artistique, c'est une parmi diverses autres soucis, première dame, non? Selon déclaration. Le gros problème artisan nous gagne, artiste nous gagne, il y a un problème de finition. Par exemple, soit ton table dans mon artiste, ou quand c'est arrivé la caille, il y a un pied qui pique coûte passer l'autre là. Donc, artiste, il faut qu'il travaille, puis qu'il standardise le travail pour que. Ça n'a fait nous pas faire seulement pour Haïti, nous faire pour nous qu'avoir à l'étranger et que devise qu'à entrer dans pays là. Donc formulaire yo n'a joué yo parce que c'est tout artiste à travers pays qui est invité. Formulaire yo n'a joué yo dans délégation yo et dans direction départementale, ministère et éducation. Parce que nous dit que n'a même pour la vie meilleure, mais qu'il faut nous commencer à mettre des outils. Non mais artisans, outils non mais artisans yo, la vie meilleure pour qu'a commencer joindre. Haïti éclairé jodi, la vie meilleure demain, c'est thème qui choisi pour déroulement concours ça. Gagnant yo a joindre récompense tant que l'argent et puis formation pour rendre yo plus performant. Responsable l'école sanitaire et sociale yo EPSS organisé jeudi 29 mars 2018 là, 7e journée porte l'ouvri. C'était occasion pour responsable yo parler de institution an, présenter vision, mission, formation EPSS approprié jeune yo. C'est une activité de journée porte ouverte que nous organisé nous sa 7e journée porte ouverte nous pour nous capable parler haïtien de métiers que nous offrions, qui sont des métiers qui sont très innovatrices, des innovateurs, des métiers qui révolutionnaires en Haïti, éducateur spécialisé, auxiliaire de vie sociale, secrétariat médical. Donc c'est raison ça qui fait que nous organisons autant. Et je dis à nous, à 7e, nous, j'aime dire, pour nous capables de parler mon lieu de métiers que nous offrions et puis permettre que les Haïtiens capables de gagner l'autre vision de métiers santé. Ce que nous essayons de faire, c'est de
d'enseigner de nouvelles méthodes. Parce qu'en général, quand les gens pensent à la santé, ils voient toujours médecins, infirmières. Mais nous avons d'autres cadres, d'autres sections de la médecine que nous offrons. Et c'est la première fois que plus ou moins nous les offrons. Par exemple, on a l'auxiliaire de vie sociale, on a le secrétariat médical, on a la section psychologique. Ce sont des médecins. Par exemple, les jeunes, quand ils sortent, s'ils n'arrivent pas à rentrer à la faculté de médecine, s'ils n'arrivent pas à rentrer à l'école des infirmières ou bien auxiliaires, ils sont coincés. Mais maintenant, nous ouvrons une nouvelle porte, une nouvelle vue qui peuvent rentrer et puis faire partie de la santé. Dans le cadre du projet CAIPAM Cléréa, 500 familles dans Mona Chandelle, localité Jasmin, dans Gressier, bénéficiaient pendant le week-end appareil pour mettre courant la caillou. La population a remercié l'exécutif pour l'accompagnement. C'est dans l'ambiance que, content ça, nous avons bénéficié appareil pour mettre courant la caillou. Il y a un appareil qui a éliminé l'ampe gridap, baleine, bois à pain, nous avons utilisé pour clairer la caillou dans la nuit. Appareil ça offre yo possibilité pour lumer 4 ampoules, charger téléphone yo, jouer radio. Bénéficiaire yo exprimer que content yo pour accompagnement ça, président République là Jovenel Moïse Bayo cap aider yo transformer la vie yo. Yo croit énergie c'est un moteur développement yon pays. Dans sens ça, yo penser engagement ça président prend en faveur yo à permettre participer dans j'effort qu'a fait pour développement durable pays a à croissance économique là. En pile nan yo estimé yo tap mouri yo pa tap wè côté yon ampoule lumé mais grâce à matérialisation promesse électorale ça pral améliorer condition la vie yo. Pense que avec lampe ça gouvernement distribué a améliorer situation surtout les ti moun yo a besoin étudier a capable étudier en forme. M'bat gen courant la kay mwen courant la fini bon mout. Nous même non bonan presque chaque sa k'ap bay nous pensons pas bénéficier rien. Mais journée jodi a la ça fait plaisir. Nous avons choisi voter Jovenel, même moi, votre m'a pas perdu. Nous avons lumière qu'on y a là, nous connaissons l'autre bagarre à faire pour nous. Merci, président Jovenel Moïse. Tellement satisfait, m'a prié bon Dieu pour nous prendre l'autre mandat encore. Parlementaire à Kelly Local, commune Gressia, salue et j'ai fait ça, président Jovenel Moïse a fait pour monde qui vivent dans une zone reculée. Permettre qu'il y ait un monde éclairé, c'est changer la façon dont il y a à vivre. Aider à reprendre l'activité économique dans la nuit, qui permet la zone de développer plus vite. Ça qui va faciliter Timounio jouer éclairage pour étudier. Ça qui va faciliter les familles responsables jouer une possibilité pour charger téléphone. Yo. Et yo pral gagner, yo quitte la grande radio là dans le tout qui va permettre yo informer leur des catastrophes naturelles pour connaître qui mesure que yo doit prendre, qui comportement que yo doit gagner. Jean président te dit la privé dans côté qui plus loin. Dans le pays, dans la section, dans le quartier, pour nous voir comment et nous capables arriver faire éclairage dans tout le pays. Jean président a parlé de courant 24 sur 24. Et gade, parfois, nous avons vu dans la zone, nous promettons qu'il n'y a pas marché. Mais vie avec le président, député, vice-délégué qui est ensemble avec nous. Et par rapport avec Jean, que moi-même, j'étais moi longtemps, j'étais casé depuis 2006, et la section m'a été bouchée. Actuellement, là, je sens que ma vie bien parce que la section m'a vraiment débouché, ni en route, même le système d'électricité là. Bon, qu'on est là, bon, bacadou, que j'aime content. Et comment m'accueillir le système ça? Bon, malgré nous connaissons pile problème dans la section communale là, parce que nous connaissons pas l'hôpital, mais nous attendons toujours parce que nous connaissons le président, attend de nous, et député, vice-délégué, tout, attend de nous. C'est 500 familles, non, bon. La Chandelle, localité Jasmin en Gressier, qui recevoir appareil pour mettre lumière la caillou. Président Jovenel, écartez Wilson, mettez-nous en lumière, mettez-nous, pour nous, joie nous content. L'autre information, jeune pastoral universitaire archidiocèse Port-au-Prince, organisé jeudi 29 mars 2018 là, une journée solidarité à quelques monde qui pine en nécessité yo dans occasion fête Pâques là. Activité ça réunit environ une centaine monde qui sorti dans différentes zones dans région métropolitaine pour chanter, danser et puis partager repas jeunes yo préparé pour occasion. Coordonnatrice pastorale universitaire Najla Villemardi, ces moments partagés organisés chaque année pour soutenir les gens qui sont plus défavorisés. C'est chaque année, dans le jeudi, nous toujours faisons la même activité en dans l'espace pastoral. Côté pour nous fêter ensemble avec nous, pour nous vivre en bien ensemble avec nous. Et puis tout pour nous souhaiter une bonne fête Pâques, c'est comme ça nous-mêmes, en pastoral, nous fêtons Pâques. Saison pascale là traîne derrière plusieurs traditions.
Dans l'occasion, une équipe télévision a fait un coup de pied dans le marché poisson Fontamara. Poisson sèche frais, tant que capitaine Paroquet, Jofika, Anglambi, poisson rose. C'est parmi divers poissons, machin yon commencé à exposer dans le marché Fontamara pour acheter yon dans l'occasion saison Pascal là. En pile machin plein parce que pas gen la vente, gen l'autre qui dit yon vente qui choy. Quelques autres expliquent qu'ils ont rencontré des difficultés pour jouer un poisson à Nessa. Ils ne peuvent pas passer cher en pile. Les gens qui viennent là, ils ont aimé acheter. Mais nous-mêmes, nous avons aimé vendre, mais cher non mais on. Pour y acheter, ils ont pris à y abayer. Pas de l'argent qui cause les gens ne peuvent pas acheter. Comme je disais, le 1er juillet, nous avons dit que c'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas acheter. Mais nous ne pouvons pas gagner l'argent. Les gens ne pas tellement cher parce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le marché. Ils ont obligé de gérer les marchands pour défendre les têtes. Qui était passé dans le marché poisson Fontamara, fait qu'on est moyen ou pas permettre yo acheter. Gen qui dit yo vinn garder prix yo, pendant yo expliquer, y a tourné pour venir acheter poisson dans semaine là. Bon, on a fait effort mais pas chaud cacher le vrai. On va nous faire effort. Bon, on est des poulets beaucoup nous jeunes ni. Et aux jeunes ni obligé au fêter mais pas comme si activité vrai gain, on va. Marchand avec plusieurs monde qui étaient déplacés soit pour prendre prix ou acheter poisson dans marché poisson Fontamara, souhaitait plus monde déplacé venir acheter poisson pendant semaine Saint-Lan, yon manière pour kembe tradition. Sous initiative Première Dame République la Fonds Assistance Économique et Sociale FAES distribuer kit alimentaire bay moun ki nan besoin nan occasion fête Pâques là. Habitants nan commune Taba, Kafou, Port-au-Prince ak Pétionville ki tap pale nan micro télévision an exprimer satisfaction. Distribution kit sa visé pour bay kek fami ki pa gen moyen possibilité pour manger la kayo pendant fête Pâques là. C'est une initiative Première Dame République Martine Moïse à travers Fonds Assistance Économique et Sociale. Distribution kit sa fête dans commune Carrefour, Pétionville, Taba et Thomasin. Moi venant pour manger. Est-ce que manger? Oui. Qui soit prêt à le faire? On va le manger. Il a petit quand même, oui. Là bien, c'est moi, c'est une petite une madame. Nous aimons ça parce que nous allons manger aujourd'hui pour nous manger. Je dis merci. On va manger la première fois. Pour Pâques, on va te prévoir rien pour manger. Non, non. Mais qui sont les petits gens qui vont faire ça au pouvoir? Je dis merci beaucoup. Kitsao a la donne plusieurs produits alimentaires, tant que du riz, l'huile et spaghetti avec pâte tomate. Anthropologue Jean Coulange qui t'a parlé sous tradition yo pendant période Pâques là déplorer rara qui selon lui a perdu dans salle te représenté. Professeur Coulange souhaitait gain réflexion qui fait dans sens ça. Rara son maïda c'est ton fait ruralité fait champêtre. Rara pas fait pour d'après la loi même hein, t'interdit que rara évolue sur la terrasse. Le organe c'est dans en dehors dans en dehors pas le rara, c'est-à-dire fois le flon, fois aller Lafayette, monter dans la rivière, pour aller la rave évoluer. Même pas sur le terrasse là. Moi, je monte la rave à Nakaona, tu vois, qui était poétesse, qui était en bas, et puis j'étais connu de chanter, puis j'étais dansé. Avec Jean, c'est pour moi, il vient de l'Afrique, quand il a donné, il était gros tambour. Il était gros tambour, il était vacciné. Flûte de bambou et puis candale le costume du warara qui est d'une beauté puis la danse mazoun donc foule là pas rentrer pour la danser mazoun dans sa pied ses épaules danser c'est ouais pied ses épaules et puis genre c'est toute beauté warara dans ba ça et puis donc tambour ba ton Jean maintenant oh, c'est pour ba été qu'on a Drapon, c'est pas ton défilé quoi, carnaval. Peuple entré, l'entré dans la rale. Mais ça quoi le gâté à la, c'est autorité. Pour faire peuple, pour plus d'ignorance, tout. Ignorance. Il n'y a pas fouillé, il n'y a pas j'ai connu ça, bah là, et puis, pour montrer rien, mais faire peuple, primer les mounes à la, ou point comme, qu'on est à faire stand, même pour mon algade à la. Le carnaval lié. Les premiers ethnologues qui parlent de carnaval rural, n'est pas carnaval lié. Le carnaval, c'est une fête occidentale, Canis Valéry, fête de la chair, je vous dis tout à l'heure. C'est pas occidental qui remonte à sa relève, les Dionysiaques grecs. Dionysiaques grecs, là, il est tombé exactement, jeudi à 26, 2027, c'est fête théâtre lié.
c'est faire du tafet mondial du théâtre, du théâtre. Du théâtre. Fait du théâtre, elle tombait dans ça, l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, donc tu as toujours gagné des agapes à l'équinoxe de printemps, dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Roms, c'est les mêmes qui vont venir des fruits avec des fruits de carnaval là même. Les Romains. Ils vont aller bas en semaine là pour mettre un esclavage. Son moment où les foules ou prennent avec vous, les esclaves ont 3 jours de liberté. Prendre liberté pour lui, bon, c'est là qu'on va la sortie. Quand il y a les catholiques qui viennent paraître, ils ne pas éliminer la rame, mais ils ne pas fouiller dans le calendrier, non? Dans le calendrier catholique. Et carnaval là, dans le calendrier, non? Mais, quittez-le. Cap, c'est une tradition qui ancre dans la vie peuple haïtien et spécialement la caille génio. Tradition ça qui sous disparaître dépend de plusieurs facteurs, d'après quelques citoyens journalistes télévision nationale d'Haïti, te parlé à Kyo dans Port-au-Prince. C'est un jouet qui est formé en quadrilatère, construit avec jonc, bambou ou bien bois cocoyé, couvert avec papier différentes qualités à couleur. À côté rara comme ambiance, cap c'est un élément de distraction qui marchait avec période pascale. Cette tradition rara, malgré modernisation, toujours kembe, li différent pour tradition kapla qui perdit dans valel. Arrivé nouvelle technologie yo, jen yo qui occupé de l'autre ambiance, à la base mépris question kapla, d'après quelques jeunes qui fait kap pouvan dans diverses zones dans Port-au-Prince. Bon, son bagay, par rapport avec année passée, nous avons fait bac. Et c'est pas seulement tradition kapla, nous avons pile bagay et tradition qui nous gagne, dans le pays nous, comme si nous ou comme si. De jour en jour, comme si vous parlez. Bon, nous pas étonné de ça, tout, parce que c'est modernisé, ben, il y a modernisé. Et c'est un plaisir tout, pour nous monter cap et pour nous même café cap, là, pour nous faire pour si nous avons qu'à distraire, jeunes nous qu'à distraire. Donc c'est un bel bail et nous pouvons passer dans ça pour nous faire chaque année. Depuis quelques temps, un pile jeune lagayo n'a fait commerce cap. Yon mouvement d'après yo qui permet yo rapousiv ak tradition an, et puis rentrer kichoy. Pour Pâques 2018 là, même si activité yo pa grand, yo rete kwè, mwen yo ap vini. Nou kap la, on domaine kap la son domaine qui bien marché, ou pa m soti nan la rue pou pa vann pou an gòdon jou. Ane sa nou vann nou men pou jan moun dadou la, ane sa kap la nou sanble ap rete nan men nou. Sa k fè di sa pase e pase jou ap presque rive pase nou nou reton bon kap toujours. Année ça fait là-bas tellement belle. Question cap la commencé depuis le 4e siècle d'après quelques historiens. D'après eux, c'est invention certains pêcheurs dans l'Asie Sud-Est qui te qu'on utilisé comme voile pour aller bateau. Pour finir, archidiocèse Port-au-Prince apparaît pour organiser chemin croix vendredi 5 dans Port-au-Prince, Delma et dans Carrefour. Qui réparoise cathédrale Port-au-Prince là, révérend Peggy Crispin expliqué déroulement événement spirituel ça a démarré à 6h30 dans matin. Il a sorti sous place canapé vert pour bout sous place Toussaint l'ouverture sous champ de masse. Pour Delma, procession a commencé dans l'église Saint-Martin Delma 5 pour bout dans l'église Altagrace Delma 44. Pour Carrefour, procession a démarré dans Marine Haïtienne pour bout dans centre sportif Carrefour. Chemekwa a déroulé année ça sous thème avec Marie en rentrant dans combat Christ là pour nous porter la victoire. Année ça a gagné comme l'an dernier, a gagné trois grands mouvements comme ça. A gagné un mouvement et sous Delma, donc a gagné gros et procession tout. Qui a sorti dans l'église Saint-Martin et puis qui a monté à Altagrace. Ça, c'est pour zone Delma. Et pour zone Carrefour, il a sorti dans la marine haïtienne et pour y aller jouer et dans le centre sportif. Donc, nous-mêmes, nous avons sorti dans la place Canapé Vert et pour aller sur la place Toussaint. Alors, normalement, parcours là, donc n'a pas canapé vert, n'a pas l'école république des États-Unis et n'a pas l'angle et Alix Roy et Bois Patate, n'a pas le bord Téléco et Pomorin et n'a pas pompe gaz qui entre la rue et Alix Roy. Et alors, c'est les 14 stations, c'est comme ça la bagarre, mais chemin, c'est canapé vert. Descendre net et puis pour nous. Alors, comme on a parlé avec mon confrère,
quartier général, nous avons fait 13e station là, pour n'y a pas demandé permission, parce que l'État dans le pays, il y a une place là, qu'on est là, donc on a demandé permission dans la zone là. Allez, ça, thème nous prend pour chemin de la croix, pour nous réfléchir, c'est avec Marie, on nous entre dans le combat Christ là, pour nous porter la victoire, même genre avec lui. C'est sous notre salle, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans l'édition spéciale ça. Merci à vous-même qui t'avez suivi. Nous invitons à rester branché télévision pour suivre la programmation. Bonne fête Pâques. Bye bye tout le monde.